Samsam, je suis le petit héros cosmique. Le monstre sans nom. Allez les enfants, vous devez tous trouver au moins un fossile de coquillage. Tu crois que c'est possible ça, Kiki? Oui, j'en ai trouvé un. Je veux bien croire qu'un jour il y a eu la mer ici. Mais elle a dû prendre ses coquillages avec elle en partant, parce que moi je n'en vois pas. Tu cherches des fossiles toi aussi? Et comment tu t'appelles? Tu ne sais pas comment tu t'appelles? Ne t'inquiète pas, je suis un héros cosmique. Je devrais pouvoir t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Super chérie, Titi quoi là? Vous, dis donc Sam Sam, comment tu viens de m'appeler là? C'est vraiment pas des gros mots rigolos ça. Des gogo bricolos? Mais qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce que je mis? C'est pas fossile. Alors, Sam-Sam, où sont tes fossiles? Mademoiselle Badifesse. Oups. Ce n'est pas ma faune. Je mélange tous les beaux, tous les dos. Enfin, dès que je marle, il y a des sauts pas prévus qui sortent de ma couche. Des sauts qui sortent de ta couche? Écoute, Sam-Sam, je crois surtout que tu as besoin d'une bonne sieste. Allez, nous, on rentre à l'école. Oui, maîtresse. Où est-ce qu'il se tâche? Ah, il est là. Rends-moi tout de suite, Mélo! Ou je te ramollis avec mon zigouigoui, mon zibrouleur. Mais, oh non! Il faut que je rejoigne mes clopins à la colle. Hein? Ah, mais... Les meubles? Hein? Les barbes? Hein? Les maçons? Hein? Les moumoutes? Oh non! Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Non! Attends, je vais me rappeler. Rentrer à la saucisson. À la somme savon. À la salle mignon. Oui, oui, on y est presque. À la somme maison. Maison de crabouille, crapouille. Oui, youpi. Sam rue. Oui. Arbre. Oui. Panneau. Tour. Papa. Soucoupe dans le ciel. Et mon zigouille ragnon. Gros cauchemar. Gros tolard. Ne t'inquiète pas. Chez moi, il y a quelqu'un qui pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Mais voyons, Sam-Sam, c'est un monstre sans nom.
Il vient d'une planète un peu curieuse. Dès que ses habitants la quittent, ils oublient les mots et même leur nom. Le problème, c'est qu'ils sont très contagieux pour les enfants. Voilà. Pas étonnant que tu aies mélangé tes mots. Pour l'aider, il n'y a qu'une chose à faire. Lui donner un nom. Comment je pourrais t'appeler? Momo. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à te raccompagner chez toi. Sam Soucoupe. Ascenseur. Décollage. C'est bien, continue, Momo. Un cahier. Une pendule. Des côtelettes. Le nombril. Ma maman. Ta maman.